wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois sur GTA 5 PC pour vous présenter un tout nouveau mode. Alors cette fois-ci je vais vous montrer une maison villa qui est ma maison et ma villa, voilà, je tenais à vous le dire. En vidéo, voilà, je tenais vraiment à vous faire un mode plutôt que vous montrer à quoi ressemble mon palace, ce qui n'est pas du tout le cas, ce que vous pouvez apercevoir rapidement machin. Et comme tout bon youtubeur qui se respecte, je me suis quand même permis d'avoir une voiture très très classe. Je me suis permis d'avoir quand même une petite BMW Z4, voilà, avec la YouTube monnaie, on peut se payer de très très belles choses. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Alors le lien de ce mode sera bien évidemment dans la description. Et la villa se situe juste ici. Donc c'est vrai que la localisation c'est pas le top du top. Mais c'est pas très... J'aimerais bien pourquoi ça fait autant de lumière dans la voiture. Le mec il a mis un truc radioactif à l'intérieur. Regarde. Ah je vois plus rien. C'est où c'est... Bon. Trêve de blabla. On rentre tout de suite dans la villa. Donc la villa et l'entrée se trouvent juste ici. Avec le parking qui est juste à gauche, avec un feu de bois devant l'entrée. Je sais pas. Devant l'entrée du garage, il y a un feu de camp. Je sais pas pourquoi. Là, le parking, il est juste ici. Avec une zone tournoi à l'intérieur. Voilà, comme vous le savez, hein, tout bon youtubeur qui se respecte doit avoir sa super sportive. Et deux autres voitures que j'ai cachées parce que voilà, j'ai décidé de pas vous les montrer. Histoire de pas trop me vanter. Bon, le mode, la villa est juste ici, donc vous voyez à peu près les extérieurs, arrondi, assez stylé, avec des caméras de surveillance. Attention, parce que moi je veux quand même protéger pas mal de choses. Attention, chien dangereux aussi. Et ouais, j'ai un chien, faut faire attention. Et on rentre tout de suite dans la maison, avec la porte qui est grande ouverte, voilà. Alors, ce mode, c'est pas réellement une maison pour youtubeur, hein. C'est pas ma maison du tout d'ailleurs. C'est plus une salle pour youtubeur, une maison pour youtubeur, comme je sais que, par exemple, la team FaZe a une sorte de villa à Los Angeles, il me semble, où ils se réunissent entre eux, ils boivent, ils jouent, ils font des lives, etc. Ils peuvent aussi dormir là-bas, mais ils ont quand même une maison à eux, vous voyez à peu près le topo. C'est à peu près ce cas avec cette maison spéciale youtubeur. Alors vous pouvez déjà apercevoir le séjour qui est vraiment gigantesque. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des guitares accrochées sur le mur. Pour ceux qui sont fans de musique, bah, vous allez kiffer. Le petit jukebox, un billard. Si vous avez faim et vous voulez avoir des carrés, bah, vous prenez des petits bonbons. Le canapé histoire de se détendre légèrement. Ça par contre, je sais, c'est une armoire. Une armoire avec rien à l'intérieur. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà les bouteilles de vin sur la table si vous voulez boire un coup. Des fléchettes, un gros ballon. Les tiges pour le billard, des basses pour mettre beaucoup de musique. Ça c'est pour les youtubeuses qui font des vidéos, voilà, des youtubeuses, ça c'est la beauté. Et ça c'est pour les mecs, ça c'est la YouTube monnaie, voilà, ça c'est la YouTube monnaie, c'est-à-dire que la personne qui gagne la partie de jeux vidéo gagne tout cet argent, c'est la YouTube monnaie. Oh là là, qu'est-ce que je peux en raconter des conneries. Le canapé avec des peluches à l'intérieur, un nounours, une boîte de préservatif Durex, voilà, au cas où vous voulez faire des choses avec une youtubeuse. La table où il y a une fleur et un grippin. C'est un grippin ça? C'est un grippin. Avec la cuisine où il y a des pizzas, micro-ondes. Enfin bref, histoire de se faire un petit peu à manger parce qu'on va pas les laisser crever les youtubeurs quand même. Ici nous avons la salle de bain qui bug en long, en large, en diagonale, tout ce que vous voulez. Avec le bain. Par contre, le seul truc qui me dérange c'est que déjà de 1, il y a la fenêtre, hein, c'est quand même bien à découvert. Et en plus, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Comment tu fais pour garder ton intimité s'il n'y a pas de porte? Tu peux pas. Eh oui, ça c'est la maison des youtubeurs, c'est-à-dire qu'ils font une partouze dans la salle de bain. Ici, je vous montre un peu ma collection d'or. Voilà, encore une nouvelle fois la YouTube monnaie. Mon coffre d'or, bon, je vais éviter de vous le montrer, hein, voilà, parce que ça se fait pas trop. Et c'est une nouvelle salle de jeu. Avec un lit si jamais vous voulez vous amuser. Le seul truc qui me dérange sur le lit, c'est que les architectes ont vraiment chié parce qu'ils ont mis le jeu de fléchettes au-dessus du lit. Même si j'ai confiance aux personnes qui vont jouer aux fléchettes, même pas en rêve, je reste en dessous.
petite tache de sang, parce que voilà, j'ai tapé un youtubeur tout à l'heure, voilà, il m'a cassé les couilles. Petite table de ping-pong, sapin de Noël, si vous voulez faire du basket, enfin bref, il y a tout un tas de choses assez jolies, avec un gros canapé, histoire de faire des petites games avec vos potes. Et la partie que j'aime vraiment le plus, c'est cette partie-là, où il y a tout simplement un fond vert, où vous pouvez faire vos vidéos avec le casque gaming, enfin bref, avec tous les écrans et tout. C'est vraiment stylé. Voilà, c'est. Imaginez Franklin qui est en train de faire une vidéo sur YouTube. Bah, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Life Invader. Alors, vous pouvez apercevoir que je suis sur la vidéo parce que j'ai un fond vert. Vous pouvez aussi apercevoir mon i3 Mac qui est vraiment stylé, mon casque. Et là, on va jouer à Call of Duty. Allez, c'est parti. Oh là là. Bon, ici une personne avec une guitare. Enfin bref, voilà, c'est à peu près. J'ai à peu près fait le tour de cette partie-là. Bon, il n'y a rien de très extraordinaire, mais bon, c'est un petit peu la maison des youtubeurs. Je trouve ça assez sympatoche que les personnes et les modeurs ont pensé à ça, parce que tout le monde n'aurait pas forcément pensé à ça. On va monter à l'étage, parce que oui, il y a un étage. On monte à l'étage et on peut apercevoir une tasse géante. Voilà, pour ceux qui sont fans de café, bah vous prenez une tasse géante. Voilà, ici c'est la terrasse avec le canapé histoire de se détendre, de manger, de boire. Si vous voulez aussi vous détendre, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez aussi aller dans le jacuzzi. Comme je vous disais, la localisation c'est pas le top du top non plus, hein, puisqu'il y a tout simplement les trains, il y a l'autoroute qui passe juste à côté, donc on va dire que c'est bof bof. Et là, un truc que je viens de penser, c'est que si le mec est un gros enculé, bah il prend un œuf. Et il le jette ici, voilà. Il le jette si la personne est en train de dormir, ou il lui jette du lait sur la gueule. Oh, ça doit être tellement mignon quand il va se réveiller. Il va kiffer ça. Ici, nous avons un hélicoptère. Et la partie qui me choque le plus, c'est que normalement, ici, il doit y avoir un Luxor de luxe. Et vous devez décoller sur cette partie-là. Réellement, c'est pas le décollage le plus compliqué. Franchement, c'est l'atterrissage. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour se laisser sur de bonnes choses. On va refaire spawn à Luxor et je vais décoller, puis essayer d'atterrir sur cette plateforme. Et on va se laisser avec ça, je pense que ça va être à mourir de rire. Et un petit avion de chasse ici, là-haut. Bon, j'ai fait à peu près le tour du mode, hein. J'ai pas de la villa. Je la trouve vraiment stylée, elle est très très jolie. Le modeur a vraiment fait de très très belles choses. Un gros gros GG à lui. Alors on va se faire spawn le Luxor de luxe, voilà. Le Luxor de luxe qui est juste ici. Hop, pardon. Ah, par contre, là, je me suis mis dans une très très mauvaise position. Attendez, il faut que je me concentre pour pouvoir réussir. Ah, c'est bon. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas le décollage le plus compliqué, hein. C'est vraiment l'atterrissage, donc là, voilà, on prend un petit peu d'élan avec le petit jump qu'il a mis, on décolle vraiment parfaitement. Bon, même si je pense qu'aucun avion ne pourra décoller dans le centre-ville comme ça. On va faire un demi-tour entre les buildings, si je me mange pas un, et on va tenter de réatterrir au même endroit. J'ai dit tenter, hein, parce que j'ai pas dit qu'on va réussir, mais on va tenter. On va tenter l'impossible. On va tenter. Faut d'abord que je visualise où est-ce que c'est. C'est où? Voilà, c'est là-bas. Eh ben écoutez, c'est pas trop mal. Moi, je trouve qu'on a trouvé une bonne place de parking et c'est pas trop mal pour se garer, hein. C'est vraiment pas trop mal. Alors, pour vous montrer que le véhicule n'est pas indestructible, enfin, je sais pas comment je vais faire. Le véhicule est en aucun cas indestructible, hein. J'ai pas activé aucun mode. Il est vraiment destructible. Je sais pas comment vous le prouver, mais il est vraiment destructible, hein. J'ai pas activé de mode pour ceux qui se poseraient la question. Mais je trouve qu'on a trouvé la meilleure place de parking là, et elle est vraiment stylée. Voilà, mon jet va rester là un petit bout de temps, et bah voilà, c'est tout. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo de mode. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir.
que cette petite maison villa de youtubeur vous aura plu. Vous n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire et à lâcher un petit like si ça vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous invite à aller checker aussi la description de cette vidéo. Je mettrai le lien vers un sondage Twitter parce que à chaque fois je vous demande ce que vous voulez pour le prochain mode de 21h, une voiture, une maison, modification de map ou autre, et comme ça me permet de voir à peu près ce que vous voulez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye tout le monde.